pour une citoyenneté plus responsable, le président de façon un appel à la responsabilité de chacun. C'était il y a seulement quelques heures au cours de la cérémonie lançant les activités de la 10e semaine nationale de la citoyenneté. Le patron de la cérémonie, nous l'entendrons dès le début de ce journal, lance un appel pour un sursaut patriotique et citoyen. L'échéance approche à grands pas. Nous ne sommes qu'à un an et demi du passage à la télévision numérique terrestre. Plus de choix, mais aussi plus de qualité. C'est là tout l'enjeu de cette TNT. Et à la faveur de la 9e édition des UACO, les responsables des médias audiovisuels de la sous-région accordent leur violon à Ouagadougou. Et puis, pour en parler donc de ces UACO, nous aurons sur ce plateau un invité. Il s'agit de M. Jean Miot, journaliste, ancien patron de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. À partir de ce 22 novembre et ce jusqu'au 29 prochain, le Burkina tout entier célèbre la citoyenneté. La 10e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté s'est ouverte ce matin à Ouagadougou par un discours du président Blaise Compaoré, patron de la semaine. Evelyne Dabiré nous propose ici un extrait de l'intervention où le président revient donc sur l'incivisme. Le thème de la 10e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, droits humains, citoyenneté et revendications sociales, quelle convergence pour une société de paix, nous interpelle sur la nécessité de concilier l'exercice de notre citoyenneté avec les exigences de stabilité de nos institutions, de paix et de tolérance dans notre pays. Dès lors, les revendications sociales, accompagnées de violences, mettant à rude épreuve la stabilité sociopolitique et entraînant la destruction de biens publics et privés, la perturbation des programmes d'enseignement, la paralysie des activités productives et souvent des pertes en vie humaine sont à proscrire car contraires à l'esprit citoyen et civique. Les cadres de l'Assemblée nationale, quant à eux, se familiarisent à un nouvel outil informatique qu'est l'intranet, une interface de communication interne pour améliorer le travail des parlementaires. 48 heures de travaux ont été initiées par l'Assemblée et le programme de coopération Nouria. Les précisions avec Kwame Bama et Anna Lucikiri. L'intranet est un vecteur d'enjeux stratégiques. C'est aussi un outil de communication efficace, rapide, simple, au coût relativement peu onéreux. Par conséquent, comme l'a soutenu la secrétaire générale de l'Assemblée nationale, l'intranet doit être érigé en une priorité de gouvernance administrative. Les autorités du Parlement l'ont si bien compris en initiant un séminaire au profit des cadres de l'administration placé sous le thème « Intranet parlementaire, fonctionnement et avantages ». Nous attendons beaucoup de ces séminaires de formation sur l'intranet parlementaire, fonctionnement et avantages. Convaincu qu'il apportera un plus aux acteurs et animateurs de l'administration que nous sommes. Ce séminaire atelier s'inscrit dans la continuité des appuis que le programme Nouria apporte au Parlement de l'espace francophone, membre de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Aujourd'hui, la technique permet qu'en un temps record, tous les acteurs à différents niveaux puissent contribuer en mettant en ligne, en mettant à disposition pour leurs collègues les informations dont ils disposent, mais également en consultant celles que les collègues peuvent partager avec eux. Au cours de cette rencontre, les séminaristes partageront les expériences avec des experts rompus au métier de la formation dans le domaine des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Des échanges qui devront leur permettre notamment de comprendre mieux le caractère très fort, institutionnel et politique d'un Parlement et en quoi une telle institution doit être aussi un modèle en matière de développement des technologies de l'information et de la communication. C'est un déjeuner de presse qui a marqué la 3e journée donc, des universités africaines de la communication de Ouagadougou. Les responsables des organes de presse et leurs agents se sont attelés à définir les mesures nouvelles pour améliorer le contenu des programmes de télévision. Avec en ligne de mire le passage à la télévision numérique terrestre en 2015, les chaînes de télévision de l'espace UMOA peuvent compter sur l'Union. Le point de la rencontre avec Salinana.
Comment améliorer et enrichir le contenu des productions des chaînes de télévision? Les responsables des organes de presse de la sous-région ont tout de suite compris qu'il fallait mutualiser un certain nombre de forces pour aller à la coproduction. De leurs échanges, il ressort qu'il faut multiplier les initiatives pour réussir la transition vers la télévision numérique de terre et produire des programmes de qualité et à moindre coût qui peuvent se distribuer facilement dans la sous-région et à l'international. L'idée déjà de se mettre ensemble pour produire à moindre coût est une bonne chose. La seconde étape, ou peut-être la première, aurait été à mon avis de mieux définir son marché avant d'aller vers une production commune. L'étape de la TNT me semble être un salut, je dirais, pour nos télévisions, parce qu'il est nécessaire pour y aller qu'un investissement massif soit fait par, je dirais, l'État ou même des bailleurs de fonds qui peuvent nous accompagner. Le Burkina est considéré comme la capitale du cinéma africain. Nous avons les meilleurs talents en termes de production cinématographique et de production de manière globale. Nous avons des écoles de formation qui ont fait leurs preuves. Comment se fait-il que nous arrivons à porter le FESPACO à ce niveau du continent et puis être incapable au niveau des télévisions de pouvoir offrir des contenus? Il faut donc repenser les productions et faire de la télévision autrement. Un accompagnement pourrait se présenter comme une des solutions pour amortir les investissements massifs et importants. Conscient du rôle capital des médias, la commission de l'UOMOA a déjà établi un programme pour accompagner et soutenir le partenariat et la collaboration entre les chaînes de télévision de l'espace communautaire. Nous proposons que les télévisions puissent diffuser un minimum de quotas d'émissions nationaux ou régionaux. Nous avons aussi prévu dans les lois, par exemple, que l'on puisse consacrer un pourcentage du chiffre d'affaires à la production audiovisuelle. On pourrait, par exemple, voir dans quelle mesure on peut mettre un fonds de production régionale, rien que pour les productions à caractère régional. Pour faciliter ces actions, les participants à cette rencontre de Ouagadougou, qui se tiennent à l'occasion des 9e universités africaines de la communication, ont formulé des recommandations. Il s'agit entre autres de formation du personnel technique de l'espace UOMOA pour des productions de qualité et commerciables, mais aussi développer des coproductions entre organes de presse pour une consommation beaucoup plus élargie. Il est journaliste et ancien président de l'agence France Presse, je vous le disais en titre. Monsieur Jean Mio est l'invité de cette édition. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Merci à vous d'être là. On vous décrit comme le baron de la presse sur Internet en préparant donc cet entretien. Oui, c'est un vieux titre, Jean Mio, le baron de la presse. Mais ça a inquiété mes camarades, d'ailleurs, parce que quand ils ont lu ce titre, ils ont cru que j'étais mort. Fort heureusement que non. Alors, pour la 7e fois, vous êtes à Ouagadougou, dans le cadre donc des universités africaines de la communication. Quelle place donnez-vous justement à la tenue de ces différentes éditions-là? Vous savez, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Il ne faudrait pas croire que ce sont les journalistes du Nord qui viennent donner des leçons aux journalistes du Sud. Parce que notre métier, c'est rigoureusement le même. Et les difficultés, certes, vous avez encore plus de difficultés que nous, c'est évident. Mais nous en avons beaucoup aussi sur le plan économique. Et surtout sur la difficulté de l'exercice du métier. Vous savez, c'est Albert Camus, le grand auteur, avait cette définition. Il disait « La presse, c'est la conscience d'une nation ». Et c'est notre rôle fondamental. Être la conscience d'une nation, c'est une responsabilité. Et ça exige une énorme rigueur permanente. Et je dirais que cette exigence de rigueur est encore plus grande aujourd'hui qu'elle n'était hier. Pourquoi ? Parce que y a le phénomène Internet. C'est une merveilleuse révolution, Internet. Mais y a un véritable danger. C'est ce que j'appelle l'obligation, la tyrannie de l'immédiateté. On se croit... Il y a une telle pression pour donner l'information immédiate. On a eu un exemple, hélas, au Burkina, il y a deux jours,
où la rumeur a couru que le match était annulé et que les Algériens, ce qui entre nous soit dit, serait parfaitement légitime, parce que vous aviez gagné et que le but est plus que contestable. Et moi, j'ai soutenu les étalons plus que je ne soutenais l'équipe de France contre l'Ukraine. Mais, vous voyez, la rumeur a circulé. Je me souviens d'avoir vu des Burkinabés fous de joie dans la rue. Bon, d'où cette exigence de vérification. J'ai un rêve, c'est que dans toutes les écoles de journalisme, et je dirais dans toutes les salles de rédaction, il y ait une phrase accrochée au mur, aucune information qui n'ait été vérifiée au moins deux fois. Et c'est cette exigence de rigueur que nous devons nous imposer. Et c'est justement aussi le thème de cette 9e UACO. Et puis cet après-midi, vous allez faire une communication sur le thème de la presse comme outil de la démocratie. La confiance du lecteur impose l'éthique du journaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que tout le monde est à la recherche de cette confiance-là du lecteur ? Absolument. En particulier en France, c'est pour ça que vous voyez, nous ne venons pas ici en donneur de leçons. En France, il y avait visiblement une méfiance, une défiance du lecteur qui ne fait plus confiance aux journalistes, justement parce qu'on écrit quelquefois n'importe quoi qui n'a pas été vérifié. Alors, c'est un problème de déontologie, ça veut dire que ça exige une immense rigueur de la part du journaliste. Et c'est un des thèmes essentiels que nous allons aborder cet après-midi. Alors, est-ce que, justement, le journaliste n'est pas beaucoup plus influencé par le lecteur dans ce cas-là ? Le problème du journaliste, c'est qu'il est... vous savez, il y a un mot que j'ai retiré de mon vocabulaire, c'est le mot « objectivité ». L'objectivité en soi n'existe pas. Si nous étions tous les deux témoins d'un accident, je suis sûr que nous ne ferions pas exactement le même récit. Il y a la part de subjectivité. Mmh. Mais il y a une exigence, c'est l'honnêteté. Et ça, c'est un point essentiel. Maintenant, il faut aussi que nous ayons une autocritique. Et j'expliquerai cet après-midi devant mes confrères que nous avons fait une expérience en France qui a consisté à réunir des gens de la société civile, des représentants des lecteurs, mais aussi des journalistes, des éditeurs, des patrons de presse, pour réfléchir ensemble, justement, sur pourquoi cette défiance du lecteur. Et nous avons créé un observatoire de la déontologie. C'est-à-dire que ce n'est pas un organe qui punit, ce n'est pas un organe qui va donner des punitions, mais c'est un organe qui va relever les fautes, qui va relever les erreurs qui ont été commises. Et ça, pour nous, c'est, je crois, très important. Ça permet aux journalistes de prendre conscience et peut-être de redonner confiance aux lecteurs. Et surtout qu'aujourd'hui, on n'est pas sans savoir, et vous le disiez tantôt, avec la montée d'un journalisme qu'on veut un peu plus citoyen, où le lecteur lui-même, il a, à travers Internet, l'occasion de poster ou de donner l'information. Alors justement, comment faire dans cette nouvelle donne-là ? C'est cela. Tout le problème est là, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette immédiateté. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut s'intituler journaliste. Il suffit que vous ayez un ordinateur, vous pouvez vous intituler journaliste et même agence de presse. Or, le journalisme, c'est un métier qui impose des règles, qui consiste d'abord à vérifier l'information, à hiérarchiser l'information, à la classer et surtout à la vérifier. Journalisme, c'est un métier. Le journaliste, le citoyen journaliste, je suis désolé, ce n'est pas un journaliste. Il peut faire circuler une information, mais le journaliste, lui, il va aller la vérifier. Et c'est ça l'exigence qui est aggravée par l'apparition de ce phénomène Internet. Alors, vous avez été patron de l'agence de France Presse, AFP. Alors, quel est, pour terminer un peu, le regard que vous portez sur la presse africaine de manière générale ? Écoutez, elle a, en particulier au Burkina, il y a une chose essentielle, c'est le pluralisme.
La presse, c'est l'outil fondamental de la démocratie. Je citais Camus, la conscience d'une nation. Ce qui est important, c'est que les citoyens aient le choix, qu'ils aient le libre choix du journal qui leur convient. Qu'il n'y ait pas un seul journal, une seule voix, une seule tendance, qu'il y ait un pluralisme. Et je crois qu'au Burkina, vous avez cette vertu, c'est qu'il y a un véritable pluralisme de la presse, avec d'immenses difficultés. Mais si ça peut vous consoler, nous aussi en France. Et on espère pouvoir surmonter ces difficultés qui ne sont pas forcément C'est pour ça que nous échangeons au cours de ces UACO et nous nous enrichissons mutuellement. C'est pour ça que nous sommes là. Merci déjà pour votre présence à Ouagadougou. Et puis merci aussi d'avoir pour votre disponibilité d'être ici sur ce plateau. Alors je rappelle que vous êtes Monsieur Jean Miot, journaliste et ancien président de l'agence France Presse que nous connaissons beaucoup ici au Burkina Faso. Merci. La suite de ce journal, à présent, nous prenons la direction de Mouko, dans la province du Bam. C'est là qu'ont été commémorées les journées mondiales du lavage des mains et des toilettes au nom de l'hygiène et de l'assainissement. L'ONG Plan Burkina et ses partenaires ont lancé de véritables plaidoyers au cours de la cérémonie officielle de commémoration. Jonas Wemba et Claudine Bikaba reviennent sur l'événement. Je m'engage. Je m'engage. À partir d'aujourd'hui, de me laver les mains au savon. Et d'utiliser des toilettes. Je m'engage à partir d'aujourd'hui de me laver les mains au savon et d'utiliser les toilettes. Telle est la résolution prise par les populations de la province du Bam à l'occasion de la célébration conjointe des deux journées mondiales du lavage des mains et des toilettes. Plan Burkina, en organisant cette journée dans la commune de Rouko à travers son projet d'amélioration de l'accès aux services d'assainissement durable, entend sensibiliser les personnes sur l'importance du lien entre hygiène et santé. Le but de cette cérémonie, c'est d'élever la conscience des populations sur la nécessité de se laver les mains pendant les moments critiques, à savoir quand tu vas aux toilettes, se laver les mains avec soit de la cendre ou bien du savon. Lorsque tu laves un enfant, lorsque tu dois manger. Donc cette journée s'inscrit dans les activités de mobilisation sociale que Plan fait à l'endroit des populations des zones dans lesquelles elle intervient. Le lavage des mains au savon est un geste simple, un moyen efficace, le moins coûteux de prévenir les maladies diarrhéiques. Il réduit de près de 30% les risques de contamination de ces infections. Chaque jour, ce sont 1400 enfants de moins de 5 ans qui meurent de maladies diarrhéiques causée par l'absence d'eau salubre, d'assainissement et de l'hygiène la plus élémentaire. Un défi de santé publique demeure, celui de transformer le geste de lavage des mains et d'utilisation des WC en un réflexe au sein de la communauté. À Bobo Dioulasso, certains habitants sont confrontés depuis quelques mois à des baisses de pression d'eau. Pire encore, dans quelques quartiers, plus aucune goutte ne tombe d'un robinet. Une équipe de reportage s'est rendue dans ces zones touchées par la pénurie pour faire le constat. Elle a également pu recueillir les explications de la Nationale de l'eau et de l'assainissement. Suivez plutôt ce reportage de Ahadi Sandamba. Pas une seule goutte d'eau ne tombe de ce robinet, comme vous pouvez le constater. Nous sommes dans une cour familiale au secteur 24 de Bobo Dioulasso. Dans ce quartier, l'eau est devenue une denrée rare, je dirais même très rare, et ce depuis quelques mois. C'est le même constat au quartier Sarfalao, à Belleville, au secteur 18 et 25 de la ville de Sia. Pourquoi donc cette pénurie d'eau dans ces secteurs seulement? Actuellement, la demande est très forte. Et ça dépasse effectivement nos capacités de production. Dans cette situation, il y a effectivement des quartiers qui sont défavorisés par rapport à d'autres quartiers. Alors, les quartiers défavorisés, ce sont les quartiers qui sont situés en hauteur, en élévation, comme le secteur 24, comme Sarfalao, secteur 18, 17, et même une partie de Belleville, le 25. Nous faisons en sorte qu'au moins une partie de la journée, ils puissent avoir de l'eau. Mais pas à l'heure actuelle, nous ne sommes pas à mesure de garantir l'eau pendant toute la journée. Sur le terrain, le constat est là.
des barriques et autres récipients sont alignés par ordre d'arrivée en attendant l'instant où l'eau coulera de ces bornes fontaines. Et pour les populations, c'est la croix et la bannière. Une fois que l'eau commence à couler, les gens se ruent souvent sur la borne fontaine. Chacun veut se faire servir en premier. À Sarfalao, ici, on pouvait passer toute une semaine sans aucune goutte d'eau. Ce qui fait que souvent même, l'on prend rarement une douche, n'en parlons pas faire la cuisine. Une situation qui freine l'activité quotidienne de bon nombre de travailleurs. Nous, on fait lavage ici, il n'y a pas l'eau. Chaque jour, c'est comme ça. Si on vient matin, il n'y a pas d'eau. Si ce n'est pas à 14h, nous, on gagne un peu seulement. À 14h, ça va 30 minutes déjà. Si ça dirait même, c'est 16h. Pareil pour ces agents du Laboratoire national de santé publique qui sont obligés de rebrousser chemin puisqu'ils étaient là pour contrôler la qualité de l'eau de cette borne fontaine. Et selon la direction régionale de la nationale de l'eau de Haut-Bassin, cette situation doit demeurer jusqu'à la fin de l'année en cours. En attendant donc, chacun se débrouille comme il peut. C'est le cas ici, par exemple, où l'eau de ménage d'un restaurant de la place laisse à désirer. La médiation au cœur de la justice dans le règlement des conflits, c'est ce qui a été donné à voir pendant 3 jours à Ouagadougou sur initiative du médiateur du Faso. Plusieurs acteurs de la médiation et du monde judiciaire se sont retrouvés pour une synergie d'action, des actions devant aider à plus d'efficience dans le traitement des dossiers contentieux. Claudine Bikaba pour les précisions. Dans un contexte où la justice est en train de perdre sa crédibilité au Burkina auprès des administrés et provoquant ainsi la montée de l'incivisme, le médiateur du Faso a organisé un atelier national sur le thème « Médiation, justice et règlement des conflits ». Pour cette initiative, il a bénéficié du soutien du PNUD, de la coopération japonaise, de l'Association des ombudsman et médiateurs francophones et le PRGP, Programme de renforcement de la gouvernance politique. L'objectif à terme est de favoriser une synergie d'action entre les acteurs de la médiation judiciaire pour une efficience dans le traitement des dossiers. Et nous avons eu l'ambition de rassembler toutes ces structures de médiation pour d'abord nous connaître mutuellement à travers nos missions respectives, à travers nos ambitions et toujours avec comme objectif principal le renforcement de la gouvernance dans notre pays et la protection des droits des citoyens. Durant 3 jours de réflexion des sujets tels que le rôle de l'inspecteur du travail dans la résolution des litiges entre travailleurs et leurs employeurs, ainsi que le rôle de l'agent judiciaire du Trésor dans le règlement du contentieux de l'État ont été entre autres abordés. Et au terme de l'atelier, c'est une satisfaction générale qui se dégage. J'apprécie positivement ces 3 jours de travaux et aujourd'hui, travailler avec le médiateur du Faso prouve que tous ces acteurs-là ont à cœur la résolution de litiges, la résolution de conflits, que ce soit au plan social, que ce soit au plan commercial ou que ce soit sur d'autres plans. L'opposition pense que c'était un atelier riche en enseignement. Les thèmes ont été très enrichissants avec des communicateurs qui ont su faire passer le message très excellent. Il est aussi ressorti de cette rencontre des recommandations et des révisions de la loi portant un statut de l'agent judiciaire du Trésor et celle du Code du travail. Les recommandations adressées au gouvernement sont entre autres le renforcement des capacités des organisations de la société civile et la valorisation de l'action des chefs traditionnels et des organisations de la société civile dans la médiation pour préserver la paix et la cohésion sociale. 1,5 milliard de francs CFA pour combattre la dégradation des terres et lutter contre la pauvreté. Le programme national de partenariat est ambitieux et à Kourougou, les acteurs ont pris l'engagement de relever le défi. La région du centre-ouest se place ainsi parmi celles qui veulent faire de la protection de l'environnement le moteur d'un développement durable. Ernest Kambiré. Combattre la dégradation des terres et la pauvreté au Burkina, une volonté politique se concrétise. À Kourougou, la région du centre-ouest tient son sous-programme du programme national de partenariat pour la gestion durable des terres. Pour venir à bout de la dégradation des terres, le Burkina Faso et ses partenaires
ont mobilisé 1,5 milliard de francs CFA pour réaliser un aménagement durable, décentralisé et équitable des ressources naturelles dans cette partie du pays. Qui parle de partenariat parle donc de s'asseoir ensemble pour qu'on puisse échanger par rapport aux préoccupations de désertification, de dégradation des terres. Ensemble, chercher les solutions, les voies et moyens et définir donc les orientations nécessaires pour gérer durablement nos terres. Stopper l'avancée du désert, la dégradation des terres et des ressources naturelles passe nécessairement par l'engagement de tous les acteurs. D'où ce message. Donc c'est un message pour dire, travaillons mieux. On ne demande pas de ne pas exploiter, mais exploitons de façon à conserver la ressource que nous utilisons. Les bonnes pratiques comme la RNA, ça permettra aux exploitants de savoir que le sol peut être exploité de manière sur le plan agricole sans pour cela couper tous les arbres. Qu'il y a des espèces arbustives qu'il faut protéger et qu'il faut même planter. Donc c'est cela donc que le sous-programme adresse pour contribuer donc à la préservation de l'environnement. Nos paysans n'ont que ça, ils n'ont que la terre, ils n'ont que les ressources naturelles. S'il y a la dégradation, il y a la limitation de leur capacité de survivance. Pour le Burkina, les terres arides et semi-arides représentent 74% de la superficie du pays et plus de 92 000 km² des terres de production sont déjà dégradées du fait des phénomènes climatiques et de l'action de l'homme. Et la mise en œuvre ici de ce programme national de partenariat pour la gestion durable des terres devrait permettre de renverser cette tendance. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.